Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle microcapsule pour voir comment on peut vérifier des fusibles à l'aide d'un voltmètre. On se retrouve tout de suite à l'atelier. Je veux vérifier un fusible avec mon voltmètre. Alors déjà, je regarde sur les schémas. Là, on est en voltmètre alternatif. Et je vais prendre mon appareil que je vais mettre en VAC. Et tout simplement, je veux vérifier mon fusible qui est dans FU2. Donc je vais prendre la tension au-dessus de FU2. Là, je trouve 234. Et la tension en dessous. Là, je trouve 0. Donc ça veut dire que apparemment mon fusible est défaillant. Si maintenant je réessaye avec un fusible que je sais être bon, je prends ma tension au-dessus, donc j'ai toujours 234, et je prends ma tension en dessous. Et là, j'ai aussi 234. Dans ce cas-là, donc mon fusible est bon. Dans le premier cas, il était mauvais. Alors, le fusible précédent, je pourrais doubler la mesure avec un test de continuité.